Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du métier que je fais actuellement. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je suis coordinatrice d'une épicerie sociale et solidaire. Donc là, j'ai pris mon contrat, histoire de rien oublier dans ce que je vais vous mentionner. Le nom exact de mon travail, c'est chargée de projet épicerie sociale. Mais en gros, je suis coordinatrice parce que je coordonne une équipe de bénévoles et je suis aussi responsable de cette même épicerie. Mais le nom qui figure sur mon contrat, c'est donc chargée de projet épicerie solidaire. Donc la mienne se trouve sous une association, donc ça peut aussi être sous un CCAS, ce genre de choses. Le principe d'une épicerie sociale et solidaire, c'est une épicerie où on accueille un public spécifique, un public qui a des difficultés financières, donc ces difficultés, ça peut être des difficultés ponctuelles, ça peut aussi être des difficultés à plus long terme, donc ça dépend des personnes, ça dépend de leur parcours de vie et de ce qui leur arrive. Toute la partie suivi et accompagnement, malheureusement, enfin malheureusement, pas du tout, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, mais c'est délégué à quelqu'un d'autre, et heureusement parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est fait par les assistantes sociales, donc celles qui suivent ces personnes. Nous les envoie généralement directement aux épiceries sociales et solidaires quand il y a besoin. Donc en gros, moi je suis dans une association qui est sous Chantiers Insertion. Donc j'ai des collègues salariés, pardon, mais on travaille aussi avec des jeunes ou moins jeunes en insertion qui sont en CDDI, donc contrat à durée déterminée d'insertion. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc ce qui fait que c'est un contrat assez spécifique. Moi je suis pas sous un CDDI, moi je suis sous CDI. Donc je suis amenée à travailler avec mes collègues salariés en CDI comme moi, mais aussi avec des collègues du coup qui sont en CDDI, donc des jeunes en insertion, notamment le chauffeur dont je dispose pour aller chercher mes livraisons, ce genre de choses, est un jeune en CDDI. En gros, en quoi concerne mon poste? C'est beaucoup du management et de la gestion, et vous savez que moi, normalement, ma formation, c'est sur de l'accompagnement social. Mais en même temps, c'est dans le social, car comme je viens de vous le dire, je travaille avec des CDDI, donc des personnes en insertion, et avec des bénévoles et un public en difficulté. Donc ça reste un public très spécifique qui demande une certaine approche pour travailler avec eux. Et une personne qui aurait fait des études de management et de gestion pure et dure sans n'avoir que le social pourrait être freinée par cette particularité-là. Donc concrètement, je fais quoi? Je gère l'épicerie. Je gère mon équipe de bénévoles, donc qui vient quand, je délègue les rôles, certaines choses que peuvent faire certains bénévoles, donc qui trie les légumes, qui trie les fruits, ce genre de choses. Je fais aussi tout ce qui est passé des commandes, donc on a divers... on a différents fournisseurs, donc des fournisseurs de produits qui peuvent être subventionnés par l'État, qui sont spécifiques à nos actions, ce genre de choses, donc on passe commande auprès d'eux. Je travaille avec la banque alimentaire, donc c'est la banque alimentaire qui nous fournit la plupart, si ce n'est la quasi-totalité, des produits, des denrées alimentaires qu'on vend. Donc c'est aussi un travail avec des partenariats. En parlant de partenariat, du coup, je suis en partenariat avec la banque alimentaire, bien évidemment, c'est eux qui me fournissent les fruits et légumes, produits frais et compagnie que je pourrais vendre les jours de ma semaine. Je suis en partenariat aussi avec des pharmacies, donc on a fait la démarche d'aller vers certaines pharmacies qui nous donnent notamment les invendus de lait en poudre de bébé qui vont arriver vers la fin de la date mais qui n'y sont pas encore. Donc comme eux renouvellent leur stock, plutôt que de jeter, on nous les donne. C'est pas donné juste comme ça. On a tout ce qui est des petits... Enfin, il y a tout un côté administratif pour les dons, donc c'est assez complexe là-dessus. Je vais pas trop aborder ce sujet-là, c'est compliqué. On est en partenariat aussi avec tout un tas d'autres chantiers d'insertion, donc on peut être amené à travailler avec d'autres personnes, on peut être en partenariat, moi je suis en partenariat aussi avec les autres épiceries sociales et solidaires de mon département et de ma région, donc parfois on a des projets en commun, on peut, si quelqu'un a trop de tel ou tel légume et peut pas tout vendre, voir avec l'autre pour échanger, ce genre de choses. Donc là c'est vraiment de la gestion d'épicerie pure et dure. Passer les commandes, récupérer les commandes. Moi, c'est divisé en 4 jours parce que c'est pas un temps plein, c'est un 28 heures que j'ai. Les deux premiers jours, donc mardi et mercredi, c'est des jours de passage de commandes et aller récupérer les denrées. Donc avec mon chauffeur qui est donc en CDDI et des chauffeurs bénévoles. Et le jeudi et le vendredi, c'est vraiment de la vente pure et dure. Donc c'est là que les bénéficiaires viennent et qu'on s'occupe de la vente. La particularité, c'est de travailler du coup avec que des bénévoles en tant que coordinateur. La plupart du temps, vous serez le seul salarié de ce genre de choses. Il y en a très peu d'ailleurs.
il y a certaines associations, certaines épiceries sociales et solidaires où le coordinateur, il n'y en a pas, où c'est que bénévole, bénévole, bénévole. Donc la particularité, du coup, je disais, à travailler qu'avec des bénévoles, c'est qu'on travaille quand même un petit peu dans l'insécurité, dans le sens où le principe du bénévole, c'est qu'il vient quand il peut, quand il veut, pour apporter son aide. Il n'a pas à se justifier de quoi que ce soit, donc on peut être dans l'insécurité de savoir si tout le monde sera présent demain par rapport à ce qu'il y a sur le planning, ce genre de choses. Dans la majorité des cas, ça se passe bien parce que les bénévoles, c'est des personnes qui ont envie d'être là, qui font du travail. Normalement, ça se passe bien, mais il faut savoir qu'on peut avoir ce genre de petits soucis qui nous tombent dessus au dernier moment. Et du coup, à ce moment-là, savoir assurer, prendre des dispositions, avoir des bénévoles à appeler ou soi-même connaître le poste du bénévole absent pour prendre sa place. Donc c'est vraiment un rôle qui est multifacette d'être coordinateur d'une épicerie sociale et solidaire. Ensuite, le jeudi et le vendredi, donc je vous disais, c'est les ventes. Les ventes, il y a donc les bénévoles, chacun à leur poste dans l'épicerie, et les bénéficiaires qui viennent, donc les personnes qui sont en difficulté financière. Et donc là, majoritairement, mon rôle, peut-être que c'est propre qu'à je ne pense pas que ça soit propre qu'à mon épicerie, ça arrive dans beaucoup d'autres, mais majoritairement, ces moments-là, pour moi, c'est les moments où je dois régler les problèmes. Donc, par exemple, un bénéficiaire qui vient bien en retard après son rendez-vous, on va lui expliquer que peut-être une fois ça peut arriver, est-ce qu'il faut un justificatif, selon votre convention, selon la charte des bénéficiaires, est-ce qu'on va l'accepter, est-ce qu'on le refuse ? Souvent, on est confronté à des situations où lorsqu'on refuse quelque chose au bénéficiaire, la personne ne comprend pas et on peut hausser le ton, ça peut créer des conflits. Donc c'est aussi tout un rôle de savoir désamorcer les conflits. Ça, c'est extrêmement présent dans le sens où c'est un public qui est en difficulté, donc a des histoires de vie assez fortes pour certains. Donc la tension peut être très très vite présente pour diverses raisons. Donc savoir désamorcer les conflits, savoir dire non, savoir respecter et faire respecter les chartes bénévoles et bénéficiaires, qui peuvent être des choses assez compliquées. Une autre particularité à laquelle je peux être très souvent confrontée, c'est la barrière de la langue. Souvent, nos bénéficiaires sont donc des personnes réfugiées ou en demande d'asile, ce genre de choses. Et avec ces personnes, on a vraiment la barrière de la langue qui est là, où, dans le sens où ils n'ont pas encore pu, certains pas pu, certains pas voulu, certains pas encore eu le temps, de faire des cours de français. Et donc, comme je ne maîtrise pas toutes les langues de la planète, c'est très compliqué parfois de se faire comprendre, parce que quand il n'y a pas du tout un mot de français, c'est dur d'expliquer les choses et le fonctionnement aux personnes. Donc ça, c'est aussi une problématique à laquelle vous pourrez et vous serez très certainement confronté si vous faites ce poste. Dans ce poste aussi, on peut être amené à faire des animations, donc notamment des ateliers cuisine, donc par exemple faire découvrir des fruits et des légumes de chez nous, des fruits et des légumes anciens, comment les cuisiner, comment faire varier les cultures, parce qu'on a des bénéficiaires, comme je l'ai dit précédemment, avec les demandeurs d'asile ou les personnes réfugiées ou les personnes étrangères, venant d'autres cultures, donc peuvent nous apporter des super idées, de super recettes, donc on peut mettre ça en place. On peut aussi mettre en place des ateliers pour favoriser l'insertion, pour favoriser l'autonomie. Donc là, j'ai pas d'exemple qui me viennent tout de suite, mais le but en fait, c'est de favoriser l'autonomie des bénéficiaires et de les amener vers une autonomie et vers une prise en charge d'eux-mêmes pour avancer dans leur vie. Donc nous, on est là pour leur fournir des denrées à moindre coût, de l'hygiène à moindre coût, ce genre de choses. Mais on est aussi dans une démarche où il faut les accompagner à être autonomes, à se prendre en charge, à faire les démarches qu'il faut. Et ça, malheureusement, mais ça c'est propre au fonctionnement de mon épicerie lorsque je compare avec d'autres, j'ai très 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 peu, si ce n'est pas du tout, de temps d'accompagnement. C'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place du coup. Mais l'accompagnement vers l'autonomie, c'est vraiment une des bases aussi en tant que coordinateur d'épicerie sociale. On cherche à amener ça, à amener les bénéficiaires vers ça. Après, au sein même de l'épicerie, j'ai tout ce qui est mise en stock, vérification des dates de péremption, mise en rebut, tout ce qui est rayonnage, tout ce qui est activité de base principale des épiceries, comme n'importe quel épicier pourrait faire. Mais ce genre d'activité, j'en délègue des parties à mes bénévoles, à certains qui sont compétents dans tel ou tel domaine. Donc j'ai un bénévole qui gère parfaitement les stocks sur notre logiciel, donc je le laisse aller vers ça.
En fait, déléguer des choses, faut vraiment y penser parce que c'est important. Le poste est vraiment très complet, on a beaucoup de choses à faire, notamment de l'administratif de nos jours. Et si je déléguais pas ces postes, j'aurais aucune place pour l'administratif, vraiment. Je suis en train de vérifier, mais en fait, dans ma fiche de poste, c'est tout ce que je vous ai dit au fur et à mesure. Donc, suivre la performance sociale de l'activité de l'épicerie, rendre compte des données clients, collecte, rédaction, organiser des collectes de denrées, assurer une veille réglementaire en distribution. Et voilà, dans les activités transversales, en fait, il y a contribuer au développement de la légitimité et de la notoriété de l'association sur son territoire, veiller au respect des règles de fonctionnement interne, donc bien sûr, promulguer l'association, promulguer nos valeurs, ce genre de choses. Travailler en collaboration avec les collègues, participer aux travaux et décisions collectives. Évidemment, ça n'est pas un métier où on travaille seul. D'ailleurs, dans le social, ce serait vraiment dommage si je devais être toute seule, travailler moi-même sur mes propres projets sans personne, ça n'aboutirait à rien. Apporter son expertise dans les instances internes de réflexion et de décision, évidemment. Se saisir des outils de travaux collaboratifs et participer au rassemblement périodique permanent administrateur bénévole, quelque chose qu'on met en place toutes les semaines. Tous les mois, pardon. Et ce que je mets aussi en place tous les mois, du coup, c'est une réunion avec mes bénévoles, donc moi coordinatrice avec mon équipe de bénévoles, ce qui me permet de faire ressortir certains points, certaines choses qu'on peut améliorer dans l'épicerie, ce que les bénévoles veulent dire ou autre, et ça permet de créer vraiment une cohésion d'équipe qui est très 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 importante dans ces niveaux-là. Dans ces milieux-là, pas dans ces niveaux-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon métier de coordinatrice d'épicerie sociale et solidaire. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. J'ai l'impression d'avoir oublié des trucs, mais c'est tellement complet et complexe que j'ai fait ce que j'ai pu. Mais vraiment, s'il y a des questions, allez-y, c'est avec grand plaisir. Au pire, je ferai une partie 2 s'il y en a beaucoup, c'est pas un problème. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. Moi, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!